Bonjour à tous. Avec les fêtes de Noël qui approchent à grande vitesse, et puis bah, il était temps de compléter ma liste de Noël. Et puis j'avais envie de me faire encore plaisir, et puis j'ai encore craqué, voilà. Et ceux qui me suivent se doutaient bien que je craquerai encore. J'ai craqué pour un Victorinox Alox rouge, le pionnier Alox rouge en série limitée de chez Knives and Tools. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce couteau, à part qu'il est magnifique? Pourquoi j'ai pris le rouge? Ah, la grande question. Ben parce que j'en voulais un autre de toute façon. J'avais déjà pris le noir il n'y a pas très longtemps. Je voulais une autre couleur. J'avais le choix entre le bleu et le vert. Ou le doré. Bon, le doré, c'est pas trop mon truc, mais le bleu et le vert me plaisaient bien aussi. Mais finalement, j'ai opté pour le rouge parce que voilà quoi, c'est le rouge, c'est la couleur de Victorinox. Et puis, je trouve que ça lui va, cette magnifique couleur rouge. Je sais pas, on s'en rend pas très très bien compte comme ça à la caméra, mais je peux vous assurer, quand on l'a en main, c'est vraiment un bel objet quoi. Bon, je vais pas m'étendre sur ce. Je ne vais pas m'étendre sur ce couteau, j'ai déjà fait la présentation de celui-ci. Tout ce que je sais, c'est que ma famille Alox s'agrandit. Hein, voilà. J'ai maintenant 4 modèles Alox de chez eux. J'ai le Bantam, Pioneer Noir, Pioneer Rouge et le Farmer. Ce sont des objets magnifiques et même si je les utilise pas tous, même s'il y en a pas mal qui vont rester au fond d'un tiroir, c'est le plaisir de les avoir, c'est le plaisir d'avoir une collection. Ben, si tous les collectionneurs utilisaient tout ce qu'ils collectionnent, ils n'en sortiraient jamais, quoi. J'ai craqué sur ces modèles-là. Pour moi, le modèle Alox, c'est magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Donc, je ne m'étendrai pas sur le sujet, c'était juste pour vous présenter ce modèle en série limitée. Si vous en avez envie, je vous mettrai un lien dans la description. Évidemment, il ne doit plus en rester beaucoup, ça c'est évident. Je sais que les autres couleurs sont très très vite parties aussi. Maintenant, avant les fêtes, je pense que c'est un super cadeau à faire, ou à se faire. Et puis, nous sommes le Front de Libération des couteaux et des lames en tout genre, le FLC-LTG. Nous détenons actuellement le Père Noël en otage. En voici la preuve. En échange de sa libération, nous exigeons qu'une centaine de nos frères couteaux soient sous les sapins à Noël. Si vous ne suivez pas nos directives, notre vengeance sera terrible. Bon, je vois que je peux plus faire une présentation maintenant sans être dérangé, donc je vais abréger. Ce couteau est magnifique, vous le trouvez sur Knives and Tools, c'est la série limitée de chez Knives and Tools. Franchement, c'est un très bel objet. Je suis content de l'avoir et je compte pas m'arrêter là. J'espère bien, peut-être dans un futur très très proche, acheter toute la série. Voilà, quitte à faire une collection, hein, autant la faire jusqu'au bout. J'ai encore d'autres choses à vous présenter. Ça va venir bientôt, très bientôt, puisque les fêtes, autant vous les présenter avant, bien avant les fêtes de Noël, pour que vous ayez la possibilité de les acheter si vous en avez envie, parce que forcément c'est le but du jeu, hein. Si je vous fais des présentations pour les fêtes de Noël après Noël, ça sert plus à rien. Donc voilà, j'essaye de toutes les grouper un petit peu pour vous les montrer avant les fêtes de Noël, comme ça au moins ça vous laisse un peu de marge pour les acheter. Allez, salut à tous, à bientôt, et n'oubliez pas, restez affûtés et puis éclatez-vous quoi, avec vos couteaux.
C'est bon là? Je peux rentrer chez moi maintenant? J'ai rien à voir là-dedans, hein. Et puis en plus, tous ces trucs là autour du cou, je peux y aller? Vous me libérez? Oh, merci. C'est vraiment gentil de votre part.